Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit manifestée dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour toi qui es là, que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Je veux saluer toute personne connectée maintenant. Béni soit l'Éternel pour vos vies. Shalom à tous. Merci de partager ce moment avec moi. Nous sommes à Opérons dans le surnaturel. Nous sommes dans la deuxième saison. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez important dans le surnaturel. Nous allons l'aborder ce soir. Et la main de l'Éternel va nous faire du bien. Merci de commenter la vidéo, comme on a l'habitude de le dire. Merci de partager la vidéo. Merci de mettre les cœurs et les commentaires tout le long de la vidéo parce que cela nous fait assez de bien. J'ai besoin de savoir que vous me suivez. Amen. Voilà, je vais voir les cœurs. Merci à ceux qui mettent les cœurs maintenant. Je vais voir les pouces, le bleu. Voilà, tu cliques sur le bleu juste en bas. Tu cliques sur le cœur juste à côté. Voilà, tu cliques sur partager et tu as la possibilité de partager dans plusieurs groupes et puis les commentaires tout le long de la vidéo. Que Dieu nous bénisse. Nous allons aborder un sujet assez compliqué ou bien assez intéressant, permettez-moi l'expression. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de prendre toute la place. Que ma chair se taise et que ton esprit soit au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux voir les commentaires? C'est un peu mou. Je veux vous sentir. Allons-y, commentaires, cœur, pouce, partage. Voilà, juste en bas de ton téléphone, tu vois partager. Tu cliques sur partager, les groupes vont s'afficher et puis tu as la possibilité de partager dans autant de groupes que possible. Donc, tu cliques sur partager juste à côté. Et puis, tu peux partager dans les temps de groupe. À côté, il y a le cœur. À côté, il y a le pouce. Et puis, il y a les commentaires à mettre. Que Dieu nous bénisse. Bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Quelqu'un dit avec moi, le transfert. Le transfert, c'est le sujet que nous allons aborder. Dans le surnaturel, le transfert a un aspect assez important. Est-ce que je peux voir en commentaire le transfert? Quelqu'un marque avec moi le transfert. Voilà, j'ai besoin juste de voir ça avant de continuer. Le transfert. La semaine passée, nous ne sommes pas réunis. Je rappelle à toutes les surnaturels, nous avons prié de nuit tout à l'heure. Voilà, prière de nuit. Je marque juste là pour ne pas oublier. Nous avons prié de nuit tout à l'heure. Prière de nuit tout à l'heure. C'est bon? Voilà, le transfert. Amen. C'est bon, ça passe? Bien. OK. Le transfert, nous allons. Définition transfert. Vous savez qu'on part toujours sur la définition avant d'aller. On va juste introduire aujourd'hui. Définition transfert, action de transférer. Effectivement, comme ça le dit, déplacer quelque chose d'un point à un autre. Action de transférer, déplacer quelque chose d'un point à un autre. Est-ce que quelqu'un peut déjà marquer ça? Action de transférer et puis déplacer quelque chose d'un point à un autre. Déplacer quelque chose d'un point à un autre. Je vais juste voir ça en commentaire avant de continuer. Voilà. Excusez-moi, je règle. C'est bien, c'est bon, c'est parti. Donc, définition, action de transférer. Est-ce que quelqu'un peut marquer ça? Action de transférer. Ou bien déplacer quelque chose d'un point à un autre. Donc, quand on dit transfert, c'est le fait de déplacer quelque chose d'un point à un autre. Suivez-moi bien, on va partir sur la base physique d'abord de l'expression transfert avant de basculer dans le surnaturel. Est-ce que je peux voir la définition? Action de transférer, déplacer quelque chose d'un point à un autre point. Donc, par exemple, je peux transférer une marchandise, OK? Je prends la marchandise depuis la France. Je transfère la marchandise en Côte d'Ivoire. Donc, le fait de prendre la machine
la marchandise plutôt en France et de déplacer la marchandise en Côte d'Ivoire, ce mouvement-là s'appelle transfert. OK? C'est ce mouvement-là qui s'appelle transfert. Je ne sais pas si on me suit. Je veux voir juste la définition que je viens de donner en commentaire avant de continuer. Je vois les cœurs, je vois les commentaires. Action de déplacer quelque chose d'un point à un autre point. Action de déplacer quelque chose d'un point à un autre point. Voilà, j'ai besoin de savoir si on me suit. Amen, amen. Donc, tout à l'heure, je parlais de transférer des marchandises. Donc, je prends une marchandise ici et j'envoie dans un autre pays. Ce mouvement-là, on l'appelle transfert. OK? En informatique, ou bien en informatique, on peut transférer des fichiers. Donc, j'ai un ordinateur et puis je décide de prendre les éléments, les fichiers, les éléments que j'ai sur mon fichier de cet ordinateur pour transférer sur l'autre ordinateur. D'accord? Donc, quand je prends les fichiers qui sont sur un ordinateur et que j'envoie sur un autre ordinateur, le déplacement de fichiers comme ça, on l'appelle transfert. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Le déplacement de ce fichier, de l'ordinateur des fichiers d'ici à un autre, on appelle transfert. Je peux avoir mes téléphones, d'accord? Là, j'ai mes téléphones qui sont là, dans ma main. Je peux prendre ici, déplacer un son de ce téléphone à l'autre téléphone. Quand je déplace le son d'un téléphone à un autre téléphone, on l'appelle transfert. Est-ce qu'on se comprend? Comme je dis, on va travailler d'abord sur la définition humaine de transfert, et puis à partir de là, nous allons pouvoir mieux appréhender l'aspect spirituel ou bien l'aspect surnaturel de la chose. Bien. À quel moment quelqu'un peut transférer des fichiers? On peut se rendre compte que mon téléphone d'origine, c'est-à-dire le téléphone que j'ai par exemple ou bien mon ordinateur, a un souci, a une panne. Et je ne veux pas perdre les données qui sont dans le téléphone ou dans l'ordinateur. Donc, pour ne pas les perdre, je fais quoi? Je transfère les musiques, les images, les photos, les messages. Je transfère tout ceci dans un autre téléphone. Donc, je peux faire un transfert parce que je n'ai pas envie de perdre mes informations. Je peux faire un transfert parce que le téléphone d'origine ou l'ordinateur d'origine sur lequel se trouvent mes informations est en train de mourir, est en train de se perdre, est en train de se gâter. On se comprend? Donc, comme je sais que ce téléphone-là va bientôt être endommagé et que je ne veux pas perdre ce qui est à l'intérieur, avant que le téléphone n'arrête totalement de fonctionner, je fais quoi? Je prends les informations ici et puis je les envoie dans l'autre téléphone. Je les transfère. D'accord? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Je peux voir les commentaires, je peux voir les cœurs pour savoir si vous me suivez, marquez les commentaires, marquez les cœurs pour voir si on me suit. Parce que comme je dis, c'est un thème assez compliqué. Je vous préviens d'avance. Un thème assez compliqué, c'est pour ça que je vais pas à pas, doucement, pour qu'on puisse comprendre. Voilà, donc j'ai besoin de voir les cœurs et les signes pour savoir que vous me suivez bien. J'ai besoin de voir en commentaire à quel niveau de compréhension vous êtes pour que je puisse avancer. Donc comme je le disais tout à l'heure, à quel moment on peut transférer, à quel moment on transfère des choses? On transfère des éléments, premièrement, à partir du moment où quelqu'un peut se rendre compte que son ordinateur ou son téléphone est en panne. Ça veut dire que je risque de perdre mes informations si je ne transfère pas le plus tôt possible dans un autre téléphone. Donc, mon téléphone se gâte sans que je n'aie au préalable transféré, c'est fort probable que je perde ce que j'ai. Si mon ordinateur se gâte totalement et que je n'ai pas encore pu transférer ce qui est dans l'ordinateur, c'est probable que je perde ce qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, avant l'extinction définitive de soit mon téléphone, de soit mon ordinateur, je suis obligé de faire quoi? De transférer. De transférer la chose. D'accord. Bien. Une autre raison pour laquelle on fait des transferts, nous sommes par exemple dans une entreprise. Écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de dire est la base de ce que je vais enseigner dans le surnaturel. Donc, je vous donne des cas de transferts, des types de transferts dans le monde physique. Vous allez comprendre
appréhender ça mieux dans le physique, à partir de cet instant-là, nous allons basculer maintenant dans le surnaturel avec cet enseignement. Donc, la deuxième raison, nous sommes dans une entreprise, nous travaillons tous sur un même fichier, mais chacun a quelque chose à faire. Donc, on a le fichier de base, on appelle ça partage de données. Donc, tous les ordinateurs de l'entreprise ont les mêmes informations. C'est-à-dire, on partage l'information, on transfère le fichier sur tous les ordinateurs de l'entreprise. Donc, il y a un ordinateur qui a le fichier, et puis cet ordinateur-là transfère les données, les informations sur tous les autres ordinateurs. Est-ce qu'on se comprend? Mais l'objectif ici, quand on transfère, ce n'est pas parce que l'ordinateur d'origine est en train de tomber en panne. Non. On transfère sur plusieurs autres ordinateurs pour que chacun puisse travailler. Mais c'est la même information. Ce sont les mêmes données qu'on a sur le même projet, et puis on transfère dans 5, 6, 7, 8 ordinateurs, et puis chacun est en train de travailler. Donc, ce sont les mêmes chiffres, mais le comptable est en train de travailler sur les chiffres. Ce sont les mêmes chiffres, le directeur des ressources humaines est en train de travailler sur ça. Ce sont les mêmes chiffres, le responsable du marketing est en train de travailler sur ça. Ce sont les mêmes chiffres, le sous-directeur est en train de travailler dessus. Ce sont les mêmes chiffres, le chargé des relations extérieures est en train de travailler dessus. Ce sont les mêmes chiffres, le directeur général est en train de travailler sur le même fichier qui a été transféré dans plusieurs ordinateurs. Mais chacun fait le travail. Alléluia. Chacun fait le travail en fonction de sa profession, de sa profession. Il travaille sur le même fichier qui a été transféré. Donc, on transfère souvent des fichiers pour que quelqu'un puisse travailler. Est-ce qu'on se comprend? J'ai parlé tout à l'heure de transférer un fichier parce que l'ordinateur, le téléphone d'origine qui a le fichier est en train de mourir. Avant qu'il ne meure, on le transfère. Premier cas. Je viens de parler d'un deuxième cas où on transfère les informations, où on transfère des fichiers pour que tout le monde ait le fichier en question et que les personnes puissent travailler avec. Selon chacun, selon sa profession. Est-ce que jusque-là, ça se comprend? Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Donc, premier cas, parce que le téléphone ou l'ordinateur d'origine est en train de tomber en panne. Le deuxième cas, on le transfère pour que tout le monde puisse avoir la capacité de l'utiliser. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer? Il arrive souvent où, avec l'explication que je donne, ça va ouvrir vos esprits sur l'enseignement qu'on va donner dans le surnaturel. On n'a pas encore lu de verset, hein? Je suis dans les généralités pour le moment. Il arrive souvent où on est en train de transférer un fichier dans un téléphone. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux me donner la vidéo que tu as? Donc, la personne commence à me transférer la vidéo. Et puis, à un moment donné, on va me dire, transfert bloqué. Ou bien le partage n'a pas abouti. Il existe des cas comme ça. Quand ça n'a pas abouti, qu'est-ce qu'on fait? On dit au téléphone qui est en train de recevoir l'information. On lui dit, il faut supprimer des fichiers dans ton téléphone afin de pouvoir recevoir le transfert qu'on fait. Donc, il y a des transferts qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que le téléphone qui reçoit le transfert n'est pas aux normes, si je peux dire ainsi, hein. Le téléphone n'a pas d'espace. Le téléphone en question a un problème qui fait que le fichier qu'on est en train de transférer n'aboutit pas. Donc, quand c'est comme ça, on dit, bon, il faut que je supprime des choses. Donc, il y en a qui supprime des vidéos, il y en a qui supprime des photos pour que là, ça puisse passer. Ou bien, on supprime des fichiers qu'on a, on supprime des musiques pour qu'on puisse t'envoyer ce que tu veux, pour qu'on puisse faire le transfert, pour que le transfert puisse aboutir. Il y a des choses que tu es obligé de supprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a le téléphone ou bien l'appareil qui reçoit le transfert qui lui aussi doit être prêt, qui doit lui aussi doit être en état de recevoir le transfert qu'on fait. Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Donc, on transfère le fichier. J'ai dit premier cas, dans le but de ne pas perdre les données parce que le téléphone d'origine, l'appareil d'origine est en train de mourir. On transfère un fichier pour permettre à tout le monde de pouvoir faire un travail. D'accord? Maintenant, je viens d'aborder un cas où
le fichier est tenté d'être transféré, mais ça n'aboutit pas. On m'a dit 50%, 70%, ça n'a pas abouti. Et souvent, quand tu regardes la vidéo, si c'est une vidéo de 6 minutes, tu as reçu 3 minutes. Les 3 autres minutes ne sont pas arrivées. Pourquoi? Parce qu'il manque de l'espace sur ton téléphone. Pour que tu puisses recevoir tout le fichier ou toute la vidéo, tu es obligé de supprimer des choses. Donc, il y a des transferts qui aboutiront à condition que quelqu'un ait la capacité de recevoir ce qu'on lui donne comme transfert, de ce qu'on lui envoie comme fichier. Est-ce qu'on se comprend? À partir de ce moment, ouais, que ça devient intéressant. Amen, amen. Le sujet devient intéressant. Donc, ton transfert va aboutir à condition que l'appareil sur lequel on fait le transfert ait la capacité de recevoir le transfert. Si l'appareil sur lequel on fait le transfert n'a pas cette capacité-là, on va te dire transfert non abouti. Transfert à 2%. Souvent, mais dès que tu lances, on te dit non, ça ne passe pas. Dès que tu lances le transfert, on te dit non, ça ne passe pas. Tu supprimes un peu et puis tu vois que ça commence à passer. Et puis, paf, souvent, ça s'arrête. Un autre élément qu'on prend en compte, je n'ai pas encore lu de verset, hein. Rassurez-vous, je n'ai pas encore lu de verset. Tout à l'heure, on va rentrer dans la Bible. Ce n'est que l'introduction, vous savez comment ça se passe quand je prends un thème. La première séance, j'introduis et puis nous allons entrer en profondeur. Il arrive souvent où, dans le temps, j'espère que ça ne sera pas une compte publicité, quand on utilisait par exemple les Bluetooth pour se transférer des choses. Aujourd'hui, dans tous nos téléphones, il y a le Bluetooth. D'accord? Si tu transfères une vidéo par Bluetooth, ça te met peut-être 30 minutes. Il y a d'autres choses qui existent par lesquelles tu peux transférer une vidéo, mais en un temps record. Ça passe très vite. Donc, il y a des transferts qui vont plus vite en fonction de l'élément qu'on utilise pour faire le transfert. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Je suis ici en Côte d'Ivoire, en France. Je peux transférer une photo à quelqu'un qui est à Abidjan. Et puis la personne dit, j'ai reçu la photo. Mais en un claquement de doigts, en une fraction de seconde, envoie-moi la photo, paf, je prends des réseaux sociaux, je clique dessus, je balance, et puis tout de suite, la personne a reçu l'information. En même temps, c'est instantané. À la limite, un claquement de doigts. Il suffit que ta connexion soit bonne. Hop. Le même fichier qu'on te transfère et que quelqu'un reçoit automatiquement, toi qui as une mauvaise connexion, tu ne la reçois pas vite. Donc là, par exemple, je suis en direct. Tout le monde me suit. Amen, amen. Ceux qui me suivent, il y en a un qui m'entendent bien, c'est fluide. Il y en a un qui, si tu n'as pas une bonne connexion, tu me vois, mais ça bloque, ça rame. Donc, le transfert est fluide. Le transfert passe vite en fonction de la connexion que nous avons. Donc, si je veux résumer, vous allez vous rendre compte que quand on parle de transfert, certains éléments sont sortis. Quels sont les éléments qui sont sortis? On a parlé de téléphone d'origine ou bien d'appareil d'origine, de là d'où on part. On parle de l'appareil qui reçoit. Ça fait déjà deux éléments. D'où on prend quoi pour transférer à qui? Ça fait deux éléments. Donc, de là où on prend, c'est important. La personne ou bien l'appareil qui reçoit le transfert est aussi important parce qu'il faut que cet appareil-là ait les capacités de recevoir. Est-ce qu'on se parle? Ensuite, on a dit quoi? Les motifs de transfert. Je transfère parce que l'appareil d'origine ne pourra plus fonctionner d'ici quelques temps. Donc, il faut que je transfère la chose pour qu'on puisse toujours continuer de travailler. D'accord? Ensuite, je transfère parce que l'appareil d'origine fonctionne toujours, mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce fichier-là pour travailler. Et comme il y a plusieurs personnes qui ont besoin de ce fichier-là pour travailler, on est obligé de transférer à d'autres personnes. C'est bon? On me suit? Bien. Un dernier élément que je vais toucher avant de rentrer maintenant dans la Bible. C'est bon? Est-ce qu'on me suit? Est-ce que je peux voir en commentaire là où tu es, là où on est arrivé? Amen, amen. Un dernier élément que je vais toucher avant qu'on ne rentre maintenant dans la Bible. Il y a des personnes qu'on appelle, je ne sais pas si le terme est correct, hein, des cybercriminels, hein, cyberactivistes. Il est chez lui, à la maison,
il a son ordinateur, il te transfère un fichier. Bon, généralement, ils font ça dans les grosses entreprises. Il transfère un fichier dans une entreprise. Et le fichier transféré dans une entreprise fait qu'il réussit à prendre contrôle de l'entreprise. Il fait qu'il bloque le travail de l'entreprise. On les appelle les hackers. Donc, de chez lui, il te transfère un fichier. Dès que tu reçois le fichier et que tu ouvres le fichier, il peut prendre contrôle de ton appareil. Il prend contrôle de ton entreprise. Et dès l'instant où il prend le contrôle de ton entreprise, il peut commettre des dégâts. Donc, il arrive souvent où il y a des entreprises qui perdent des millions en une journée parce qu'on leur a transféré des fichiers. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Il perd de l'argent parce qu'il a cliqué sur un fichier. Et on lui a transféré un fichier qui fait que quand il a ouvert ce fichier-là, automatiquement, il a eu des dégâts dans son entreprise. Il a eu des dégâts dans l'appareil informatique. Donc, on peut souvent te transférer des fichiers pour te faire du tort. Parce que jusque-là, les cas de transfert que j'avais pris, c'était un cas pour ne pas perdre l'appareil. Donc, c'est un cas de transfert positif. Un cas pour que tout le monde travaille, c'est un cas de transfert positif. Maintenant, j'ai parlé des transferts qui n'aboutissent pas parce que le récepteur n'est pas en état. Je parle maintenant des transferts qu'on fait afin de nuire à l'entreprise, de nuire à quelqu'un. Donc, on infecte, on dépose un virus dans ton entreprise. Et ce virus-là détruit les fichiers qu'on a. Donc, ce transfert que tu as reçu là, c'est un transfert pour te détruire. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien. Donc, j'ai ainsi présenté toutes les, bon, pas forcément toutes, hein, différents cas de transfert que l'on peut avoir dans le monde réel. C'est bon? Quelqu'un dit avec moi le monde réel. Donc, on a parlé de transfert dans le monde réel. À partir de cet instant précis, nous allons maintenant basculer dans le monde surnaturel. Amen, amen. On va lire maintenant des versets et nous allons basculer maintenant dans le monde surnaturel. Et vous allez vous rendre compte que les transferts, le transfert tel que je viens de l'expliquer, vous allez retrouver cela dans l'invisible ou dans le surnaturel. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à expliquer ça dans le monde réel? Parce qu'on appréhende mieux les choses du surnaturel à partir des explications qu'on a dans le monde réel. On appréhende mieux les choses du surnaturel à partir de ce qu'on sait de notre vie. Donc, quand quelqu'un, tu expliques à quelqu'un les choses du naturel et puis tu bascules dans le surnaturel avec le naturel, la personne comprend facilement. Donc, on vient de présenter les différents types de transferts. On parlera de chaque élément que je viens de mentionner plus tard. Aujourd'hui, nous ne sommes que dans l'introduction et vous allez comprendre. On revient maintenant. Quelqu'un va marquer avec moi cette référence. Nombre chapitre 11, verset 16 à 17. Nombre chapitre 11, verset 16 à 17. Est-ce que je peux voir cela? Je ne sens pas les commentaires, je ne sens pas les cœurs. Nombre chapitre 11, verset 16 à 17. Est-ce que quelqu'un peut marquer ça déjà avant qu'on ne continue? Nombre chapitre 11, versets 16 à 17. C'est bon? Ça peut aller? Nombre chapitre 11, 16 à 17. Est-ce qu'on a retrouvé? Nombre chapitre 11, versets 16 à 17. Je fais la lecture. Si c'est bon, on peut passer. Bien. Il est écrit. Hein? Nombre chapitre 11, verset 16 au verset 17. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. » C'est bon? Qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17. « Je descendrai, l'Éternel dit, je descendrai
Et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Je reprends. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Donc, l'Éternel parle au prophète Moïse. Alléluia. L'Éternel a quelque chose à faire dans la vie de Moïse. L'Éternel veut travailler avec Moïse. À un moment donné, Dieu veut partager la tâche de Moïse avec d'autres personnes. Alléluia. Et pour partager la tâche, l'Éternel dit, choisis des personnes. Mais choisis 70 personnes et viens avec les 70 personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens avec les 70 personnes. Regardez bien ce qui me marque. En temps normal, c'est pour que ces 70 personnes-là soient utiles à Moïse dans le travail. Amen, amen. Qu'ils soient utiles à Moïse, je le disais tout à l'heure, afin qu'ils puissent aider Moïse à travailler. Maintenant, pour travailler, pour faire l'œuvre de Dieu, Église, ne soyez pas choqués, âme sensible, s'abstenir. Pour faire l'œuvre de Dieu, ce dont on a besoin, c'est le Saint-Esprit, en temps normal pour travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, dans l'Église, dans la présence, dans le royaume, on a besoin, tout le monde, de recevoir le Saint-Esprit afin de pouvoir travailler. N'est-ce pas? Mais, le passage que nous venons de lire m'interpelle. Dieu parle lui-même à Moïse et Dieu dit à Moïse, il lui dit, envoie-moi 70 personnes que je vais utiliser pour travailler pour toi, pour t'aider. Mais quand nous lisons le verset, il n'a pas dit, je vais répandre le Saint-Esprit sur ces personnes-là. Alléluia. Dieu dit à Moïse, moi l'Éternel Dieu, je vais descendre. Et quand je vais descendre, je vais prendre l'esprit qui est déjà sur toi, Moïse. My God. Je prendrai de l'esprit qui est déjà sur toi, Moïse. C'est cet esprit-là que je vais prendre et puis je vais déposer sur la vie des 70 personnes qui doivent travailler avec toi. Alléluia. À partir de ce passage-là, nous sommes déjà rentrés dans ce que j'appelle le transfert. En fait, je vais prendre quelque chose ici que je vais transférer sur quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas à Moïse, je vais lui donner l'esprit de Dieu comme je t'ai donné à toi? Oh, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends, hein, je lis dans une autre version. Je descendrai te parler, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Est-ce que je peux voir un commentaire sur Moïse? Sur Moïse. Je veux que tu écrives l'esprit sur Moïse. Donc, les 70 n'ont pas reçu le Saint-Esprit qui vient du ciel. Les 70 n'ont pas reçu l'esprit qui vient d'en haut. Les 70 ont reçu l'esprit qui est sur Moïse. Voilà. L'esprit sur Moïse. Je reprends. Reboro Shadabra. Je descendrai te parler. D'accord? Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Donc, pour pouvoir travailler avec Moïse, les 70 là ont besoin de recevoir quelque chose. Mais ces 70 ne recevront pas l'esprit directement de Dieu. Dieu dit, je descends prendre pour Moïse là, l'esprit qui est sur Moïse pour
Pour le moment, je vais utiliser cette expression-là. L'esprit qui est sur Moïse. Et c'est cet esprit-là que Dieu prend, que Dieu transfère, que Dieu dépose sur la vie des 70. À partir de cet instant-là, je vais déjà ouvrir une parenthèse. Église, un leader qui n'arrive pas à transférer de son esprit sur ses collaborateurs aura un problème à avoir des résultats. C'est le passage qui nous l'indique. Pourquoi? Parce que la mission est donnée à quelqu'un. D'accord? Quelqu'un a une mission que Dieu lui a assignée. Et pour cette mission que Dieu t'a assignée, Dieu te donne de son esprit. Maintenant, des personnes vont travailler avec toi. Des personnes seront autour de toi. Est-ce qu'on m'entend? Des personnes sont autour de toi afin de te permettre d'atteindre l'objectif. Ces personnes-là, en tant que leader, ont besoin de recevoir l'esprit qui est sur toi. Donc, tu dois avoir la capacité de transférer ton esprit. Nous sommes dans le surnaturel. J'espère que je ne choque pas quelqu'un. Alléluia. Âme sensible, s'abstenir. Alléluia, 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 alléluia. Donc, souvent, vous voyez, on entend des personnes dire, des leaders disent, vous n'avez pas mon esprit. Vous n'avez pas mon esprit. Ça peut être une simple manière de parler. Mais, comme je le disais tout à l'heure, un leader doit pouvoir déposer son esprit sur ces personnes qui travaillent avec lui. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas ton esprit ne pourra pas t'aider à atteindre l'objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas des bonnes idées. Nous sommes dans le pouvoir de l'esprit. Nous ramenons un peu le pouvoir de l'esprit. Alléluia. Je ne parle pas des idées. La personne peut avoir des bonnes idées. Mais si la personne n'a pas ton esprit, vous ne pouvez pas travailler. En même temps, je m'adresse à des collaborateurs qui sont en train de me regarder. Si tu veux être efficace pour ton leader, il faut que tu te débrouilles pour avoir l'esprit de ton leader. Il faut que ton leader te transfère son esprit. Là, je ne suis même pas encore entré dans les détails. Je suis juste dans l'introduction du passage. Alléluia. Je suis juste dans l'introduction du passage. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà. Merci, Jones, Ross, Jones, Petra Kaye, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on me suit bien? Donc, le passage dit, Dieu lui-même parle. Il dit, je prendrai de ton esprit, je vais le répandre. Donc, quelqu'un doit comprendre que, en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, en tant que je ne sais où tu es, il faut que l'esprit de toi, le chef, soit à mesure de tomber, de descendre sur ceux qui sont autour de toi, afin que le travail soit efficace. La Bible dit, le verset 17 à la fin, il dit quoi? Il dit, afin qu'il porte la charge avec toi et que tu ne la portes pas seul. Donc, pour que ces personnes-là puissent porter la charge avec toi, il faut que les personnes aient ton esprit. Donc, comment quelqu'un va recevoir toi, ton esprit? C'est par ce qu'on appelle le transfert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le transfert. Je peux continuer. On avance. J'ai déjà ouvert la parenthèse par rapport au leader. Donc, je parle aux deux groupes. En tant que leader, il faut que tu sois à mesure de transférer ton esprit sur tes collaborateurs. D'accord? Tout à l'heure, quand je parlais de transfert de manière générale, je disais aussi que le récepteur, l'appareil sur lequel on fait un transfert, doit être aussi disposé afin que le transfert passe. Donc, en tant que collaborateur, si tu veux réussir ta mission auprès de ton leader, il faut que toi-même tu comprennes que tu dois recevoir son esprit. Je parle à quelqu'un? Quand j'enseignais sur le sixième sens, quand j'enseignais le pouvoir de l'esprit, je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas regardé le pouvoir de l'esprit, ceux qui n'ont pas suivi le sixième sens, je vous ai expliqué qu'il y a des choses. Quand ton esprit est développé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. C'est ton esprit qui le fait, le pouvoir de l'esprit. On va rentrer dans ces détails peut-être en saison 3, pouvoir de l'esprit saison 3. Alléluia. Mais dans la saison 2, j'ai appris à des personnes à comment développer son esprit, comment déclencher le pouvoir de l'esprit. Donc, il faut que tu aies la capacité de transférer ton esprit sur tes collaborateurs, sur ceux qui sont autour de toi.
Amen. Shalom, homme de Dieu, Belgique, ma bonjour, depuis la Belgique. Shalom à toi, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien. On descend dans la lecture. Quelqu'un marque avec moi, Nombre chapitre 11. Nous sommes toujours dans le même passage. Quelqu'un marque avec moi, versets 25 à 26. Nombre chapitre 11, le verset 25 à 26. Alléluia. Bon, on va commencer au verset 24. Nombre chapitre 11, quelqu'un marque à partir du verset 24, verset 24. C'est bon? Est-ce que je peux continuer? Je veux voir la référence. Merci Myriam, Dieu te bénisse. Donc, Nombre chapitre 11, à partir du verset 24. Je lis à partir du verset 24. Il est écrit: Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Verset 24, j'ai commencé par le verset 24. Voilà. Verset 25 maintenant. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit, il est mis par l'Éternel, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Donc au départ, l'Éternel a dit ce qu'il allait faire. Quand nous lisons le verset 25, verset 24, Moïse a effectivement rassemblé les 70. Écoutez très bien. Moïse a effectivement rassemblé les 70 autour de lui. Et la Bible dit, l'Éternel est descendu. Verset 25, l'Éternel prit de l'esprit qui était sur Moïse. Et l'Éternel le mit sur les 70 anciens. Il prend effectivement, comme il a dit, de l'esprit qui est sur Moïse, et l'Éternel fait déposer cet esprit-là sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ceci ne fut que momentané. Donc, voici 70 personnes qui ne peuvent pas prophétiser, qui n'ont jamais prophétisé. Alléluia. Ce sont des anciens. La Bible dit, le prophète, c'est Moïse. Quand Dieu arrive, Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse. Il le transfère sur les 70. Quand il transfère sur les 70, la Bible dit qu'il commence à prophétiser. On va maintenant comprendre, j'ai parlé de ça tout à l'heure, on va maintenant comprendre l'importance ou bien le rôle du transfert. Donc, ces personnes-là ne savent pas prophétiser. À partir de l'instant où l'esprit de Moïse tombe sur eux, la personne commence à prophétiser. Est-ce que tu peux dire avec moi prophétiser? Alléluia. Donc, celui qui ne prophétisait pas a la capacité de prophétiser à condition que le transfert se fasse de l'esprit du prophète vers lui, son esprit. On aura d'autres passages. Vous allez mieux le comprendre, mieux comprendre. On est juste en train d'introduire. Le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons bien rentrer dans les différents types de transferts. Mais là, je veux qu'on comprenne là où on s'en va. Je veux qu'on comprenne en introduction. Amen, amen. Donc, 70 personnes qui ne peuvent pas prophétiser reçoivent de l'esprit qui est sur la vie du prophète Moïse et en même temps, les personnes-là commencent à prophétiser. Je reviens dans l'exemple que je prenais tout à l'heure. Tu achètes un téléphone, le téléphone est neuf. Il n'y a rien dans le téléphone, n'est-ce pas? Quand tu prends des fichiers de ton ancien téléphone et que tu déposes, tu transfères dans le nouveau téléphone, automatiquement, le téléphone a la capacité de l'ancien téléphone. Alléluia. Quand tu prends l'ancien téléphone et que tu transfères les fichiers dans le nouveau téléphone, les musiques que tu jouais, les musiques que l'ancien téléphone jouait, le nouveau téléphone que tu viens à peine d'acheter commence à jouer les mêmes musiques. Tant que tu ne transfères pas, le téléphone est pratiquement inutile parce que tu ne peux rien faire. Mais dès que tu transfères tous tes messages, tu transfères toutes tes vidéos, tu transfères toutes tes musiques, tout ce qui est dans l'ancien, dans le nouveau téléphone devient aussi utile pour toi que l'ancien. J'explique bien pour que vous voyez. D'accord? Voici mon ancien téléphone. Je viens à peine d'acheter un nouveau téléphone qui est dans le carton. Tant que ce téléphone est dans le carton, il ne me sert à rien. Il est nouveau, je l'ai enlevé, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de, il n'y a rien. C'est un téléphone neuf. Il ne me sert à rien. D'accord? Il est vide, il est inutile. Mais dès l'instant où
je prends tout ce qui est ici et que je transfère dans le nouveau téléphone, à partir de cet instant précis, le nouveau téléphone devient utile pour moi. Donc, si j'ai besoin d'écouter de la musique, tant que je n'ai rien transféré dans le téléphone, il est inutile, je peux déposer, ça ne sonne pas, personne ne va appeler. Mais quand je prends les fichiers et que je mets ici, si je veux écouter de la musique, je peux écouter de la musique avec mon nouveau téléphone. Ça veut dire que ce que l'ancien téléphone faisait, dès que j'ai fini de faire le transfert, le nouveau téléphone a les mêmes capacités que l'ancien téléphone. Oh oh, quelqu'un m'entend? Le nouveau téléphone devient aussi utile pour moi que l'ancien. Donc, quand vous regardez, les 70 ont commencé à prophétiser comme Moïse, mais ils ne sont pas allés loin parce qu'ils n'ont reçu qu'une petite partie de l'esprit. Continuons la lecture. Je continue la lecture, c'est bon, ça fait du bien à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 26. Il y eut deux hommes. Hey, le monde surnaturel, Marc, Abroché et Débra. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, verset 26 au verset 26 maintenant, qui étaient restés dans le camp sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisaient dans le camp. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Oh, j'aime le surnaturel. J'aime le surnaturel. Regardez, je vais terminer par là. Il nous reste 10 minutes. Quand Moïse a dressé sa liste de 70 personnes, la Bible dit, il y a Eldad, il y a Médad. Ils sont sur la liste des 70. Mais le jour du rendez-vous, ils ne sont pas venus. Ils étaient quelque part ailleurs. Mais ils sont sur la liste des 70. Donc, il y avait en présentiel, mais il y avait sur place, il y avait 68 personnes. Il y avait deux qui manquaient à la liste. Les deux étaient dans le champ quelque part là-bas. Quand l'Éternel prend l'esprit de Moïse et puis il répand sur les autres, la Bible dit, les 68 présents devant Moïse ont commencé à prophétiser. Mais une information va nous revenir. L'information qui nous revient, c'est laquelle? C'est que ceux qui étaient ailleurs, qui n'étaient pas venus, qui n'étaient pas présents, ces personnes-là qui étaient ailleurs, eux aussi, vont commencer à prophétiser. Alléluia. La question que je me pose, est-ce que ces deux personnes-là étaient conscientes? Amen, amen. Est-ce que ces deux personnes-là étaient conscientes que leur nom figurait sur une liste quelque part de personnes qui devaient recevoir l'esprit de Moïse? Première question. Est-ce qu'on se comprend? Les personnes ne sont pas là, mais à distance, là où elles sont, l'esprit de Moïse est tombé sur eux. Pourquoi? Parce que ces deux personnes faisaient partie de la liste des 70 personnes. Alléluia. Ça veut dire que le transfert n'est pas forcément quand tu es devant moi sous mes yeux que je peux te transférer mon esprit. Mais à distance de là où les personnes étaient, il a fallu que Dieu suscite un témoin pour que nous puissions avoir ce type d'enseignement-là. Donc, c'est le témoin qui va courir pour dire, j'étais dans le champ avec Médad et Eldad. J'étais avec ces deux personnes et les deux-là ont commencé à prophétiser. Mais Moïse n'est pas étonné que les deux personnes-là sont en train de prophétiser. Pourquoi? Parce que Moïse sait que j'ai mis les deux-là sur ma liste de 70 personnes. Donc, quel que soit là où tu es, la distance où tu es, l'endroit où tu es, à ce niveau-là où tu es, le transfert peut s'effectuer. C'est en ce moment-là que je donnais l'exemple des réseaux sociaux où je suis ici en France. Je peux balancer tout de suite une photo et puis la personne le reçoit en Côte d'Ivoire. Donc, je peux transférer quelque chose à quelqu'un qui est devant moi, sous mes yeux. Mais dans le même temps, je peux transférer quelque chose à quelqu'un qui est à distance. La personne n'est pas là. Mais quand vous allez voir, le résultat a été le même. C'est quoi le résultat? Ceux qui étaient devant lui ont prophétisé. Ceux qui étaient au loin, qui n'étaient pas devant Moïse, aussi ont prophétisé. Donc, la même chose s'est produite. Le résultat a été le même. D'ici, quelqu'un peut t'influencer. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quelqu'un est ailleurs et puis il lance quelque chose ailleurs. Je vais revenir dessus la semaine prochaine. Alléluia. La question que je posais tout à l'heure, est-ce que Eldad et Médad étaient au courant que leur nom figurait sur la liste des 70? Moi, selon mon analyse approfondie, je me dis qu'ils ne savaient pas.
Pourquoi? Parce que tous ceux qui savaient qu'il y avait un rendez-vous avec Moïse pour recevoir l'esprit de Moïse sont venus. Donc, si ces deux personnes-là savaient qu'il y avait ce rendez-vous-là pour qu'on leur transfère l'esprit de Moïse, les deux ne seraient pas dans le camp. Je ne sais pas si on se comprend. C'est une analyse claire que je fais. Si ces deux personnes savaient qu'on avait besoin de ce jour-là pour leur transférer l'esprit de Moïse afin qu'ils puissent travailler, ces deux personnes-là ne seraient pas restées loin dans le camp. Elles sont restées là-bas parce qu'elles ne savaient pas ce qui se passait. Les 68 qui avaient l'information sont venus au rendez-vous pour prendre. Mais les deux qui étaient là-bas n'étaient même pas au courant de quelque chose. Ils étaient loin. Cependant, leur nom étant sur la liste, paf, le transfert a eu lieu. Paf, quelque chose s'est produit dans leur vie. Donc, on peut transférer des choses à quelqu'un de façon, la personne est consciente que je vais recevoir un transfert. Mais la personne peut aussi ne pas être consciente d'un transfert à recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'arrêter là. C'était juste l'introduction de transfert. Jeudi prochain, par la grâce de Dieu, 18h, heure de la France. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, 18h, heure de la France, le jeudi prochain, nous allons continuer sur le sujet. Nous allons continuer sur le sujet. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Nous allons continuer sur le sujet, le transfert. Et à partir de là, nous allons étudier les différents types de transferts qui existent. Est-ce qu'on se comprend? Et vous allez réaliser qu'il y a des transferts qui se font, comme on a parlé de Eldad et de Medad, inconsciemment, tu n'es même pas au courant, paf, quelque chose a été transféré. Comme des entreprises qui reçoivent des virus, paf, quelque chose se passe. Alléluia. Sois connecté par la grâce de Dieu le jeudi prochain. Nous avons rendez-vous et nous allons poursuivre. C'était juste aujourd'hui l'introduction de ce thème, le transfert. Nous allons poursuivre et ça va te faire comprendre, ça va ouvrir tes yeux sur beaucoup de choses. Dès cet instant-là, quand tu vas comprendre le principe du transfert, il y a des choses qui ne t'arriveront pas aussi facilement parce que tu sais ce qui se passe. Parce que tu sauras comment gérer la situation, tu sauras comment bloquer la chose pour ne pas que ça t'atteigne. Alléluia. Donc, retenez dans l'introduction tous les différents cas de transfert que j'ai eu à expliquer. Dans le monde réel d'abord, avant de basculer dans le monde surnaturel. Donc, le verset que j'ai pris, c'était juste un verset pour introduire, où là où l'Éternel lui-même dit, je prendrai de l'esprit pour donner. Et c'est le fait de prendre ici pour envoyer là qu'on appelle transfert. Alléluia. Vous venez de voir les résultats qui se sont passés quand on a basculé dans le transfert. Quand Moïse, quand les 70, les 68 d'abord, qui étaient devant Moïse, ont eu le transfert, vous avez vu ce qui s'est passé dans leur vie. Alléluia. Automatiquement, ils ont commencé. Donc, on parlera de ça, des effets, des résultats du transfert. Amen. Et l'autre aspect que j'ai touché pour terminer, c'est les deux autres qui n'étaient pas présents, parce que selon moi, c'est mon analyse personnelle, selon moi, ces deux personnes n'avaient pas l'information que ce jour-là, on avait rendez-vous avec Moïse pour recevoir. Mais de là où elles étaient, quand même, elles ont reçu le transfert. Pour dire quoi? C'est probable que tu reçoives le transfert quand tu es conscient de quelque chose, mais tu peux aussi le recevoir quand tu n'es pas conscient. Et on va voir d'autres versets qui vont expliquer ça. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs, qui ont partagé, qui ont invité des personnes à regarder avec nous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis très heureux chaque fois que je parle du surnaturel. Vous le voyez sur moi. Je bénis Dieu. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu le jeudi prochain pour poursuivre ce thème-là. C'est tellement important. Vous allez comprendre. Ceux qui vont suivre, vous allez comprendre. Amen, amen. Donc, nous avons rendez-vous le jeudi prochain. Par la grâce de Dieu, que l'Éternel bénisse tout le monde. Pour les autres, nous avons rendez-vous à 0h00, heure de la France. 0h00, heure de la France. Vous savez comment ça se passe, les habitudes du surnaturel. 0h00, heure de la France, nous avons rendez-vous. Et n'oubliez pas, voilà. Que Dieu bénisse tout le monde. Tu peux suivre toutes ces vidéos sur ma page Révérend Prophète Herman Kouadio sur YouTube. Révérend Prophète Herman Kouadio, c'est ma page YouTube. Vous pouvez aller voir toutes les autres vidéos du surnaturel. Et puis, quand on finit sur la page Domination Optimale, tu peux juste t'abonner afin que tu ne manques aucune des autres vidéos que nous allons diffuser. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, soit avec toi, que Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique, soit avec toi. Et que le Saint-Esprit, Maître suprême de tous les esprits qui opèrent dans l'invisible, soit avec toi.
Quant à moi, je suis révérend prophète Herman Kwadio. J'ai été heureux d'être avec vous. Révérend prophète Herman Kwadio, aiguisé pour dominer. Shalom, shalom, et que Dieu te bénisse à mon amour.